Mesdames et messieurs, le personnel de cabine, veuillez rester assis. Il semblerait qu'on ait encore du trajet à faire avant de sortir de là. Nous allons traverser une zone de turbulence. Je vais vous demander de bien vouloir garder vos ceintures attachées pour le moment. Alors restez assis et détendez-vous. On espère voir un ciel plus ensoleillé d'ici peu. J'espère pouvoir passer cet orage sous peu. Et encore une fois, merci de rester assis et de garder vos ceintures attachées. Merci à tous pour votre patience. On relancera le service de boisson dès que le ciel sera plus clair. Tu peux vérifier la tisse. Je veux lire le bulletin météo pour voir quand ça va se terminer. Dans les domaines du pilote, les nouvelles sont... Ton père sourit jamais sur les photos. Il l'a jamais fait. Ouais, mais pourquoi ? Oh, je sais pas. C'est pas son truc. Même sur les photos de moi bébé, il me prenait dans ses bras. Et faisait genre... J'ai pas dû être sage. Quand t'étais bébé ? Et maman a l'air heureuse. Il m'aime pas, il me déteste. Non, il te déteste pas. C'est leur façon d'être. Non, tu dis ça comme ça. Non, non, tu vois, je t'aime. Et parce que je t'aime, ils t'aiment aussi. Et même s'ils te détestent, ils sont toujours à 2600 km. Mais il n'aime même lui. Mm-hmm. Je suis désolée, c'était sympa. Ah oui ? Ouais, ce truc qui se passe dans mon cerveau n'a pas d'importance. Merci de m'avoir demandé de venir, c'était parfait. Ouais. Et merci de me sourire. Ouais, y a pas de quoi. Quelque chose ? Aucun changement. On dirait que c'est inévitable. Les prévisions météo vont dans tous les sens. Ça me parle d'un complexe convectif de méso-échelle, mais c'est pas possible. Génial. C'est comme si ce truc nous suivait. Siège 25A. Et c'est ton tour. Ouais. Monsieur, que puis-je faire pour vous ? Vous pouvez dire au pilote de ne pas faire s'écraser l'avion, s'il vous plaît. Merci. Je vous assure que ça ne fait pas partie de ses plans. Vous êtes sur le même vol que moi. Je peux vous apporter quelque chose ? Mes médicaments, ils sont dans mon sac. Oh, bien sûr, ils sont dans votre sac ? Dans quel porte-bagages ? Non, dans ma valise. Oh, monsieur, si vous avez enregistré vos bagages à l'aéroport, on peut pas y accéder, c'est dans la soute. Non, vous n'y avez pas accès, mais si jamais vous avez une urgence... Monsieur, je suis désolée, je peux vous offrir un casque ou un oreiller, une couverture ? Je peux vous apporter de l'eau. Comment je pourrais me détendre en sachant qu'on peut s'écraser d'une minute à l'autre ? Joli petit cœur. Quel âge a-t-elle ? Presque 4 ans. Oh, c'est les meilleures années. J'aimerais pouvoir voir l'expression sur son visage quand elle vous voit. Je suis heureux, peu importe l'expression de son visage. Ça fait maintenant 24 mois que je suis déployé à l'étranger. J'ai fait que penser à elle et à sa mère. Vous êtes un soldat ? Oui, madame, je suis un ranger. Oh, alors combien de temps il vous reste ? J'ai été retardé à Paris. Le seul vol aller était pour Los Angeles. On a donc 5 heures pour aller à New York. Et ensuite, une heure de trajet en voiture. Et je pourrai voir ma famille. Vous êtes adorable. Elle est adorable. Oh, c'est clair. Il commence à s'agiter. Ouais, avec un peu de chance, on s'en sortira avant qu'il devienne vraiment agité. Bon, on va commencer le service. T'as besoin de quelque chose maintenant ? Oh, oui, je peux avoir une couverture, s'il te plaît ? Ouais. Voilà. T'es trop gentil pour cet équipage. Merci, Liam. Waouh.
Je... Désolée, j'étais pas inquiète. C'est pas vrai, j'étais inquiète. Je m'appelle Thaddeus. Maréchal de l'air américain. Anna, je suis ravie. De même. Poste de pilotage ? Je peux vous offrir quelque chose ? Non, ça ira. Merci, Alice. Tout va bien derrière ? En partie. Un passager a demandé que vous n'écrasiez pas l'avion. J'y avais pas pensé. Très bien. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose. Sonnez-moi. On le fera. Merci. Tout va bien derrière ? Oui, oui. Ça a l'air d'aller. Alice prenait juste des nouvelles. Ça aurait été bien que l'aéroport nous prévienne de cet orage avant le décollage. Je pense pas qu'ils étaient au courant. J'ai jamais vu un aussi gros orage sortir de nulle part. On aurait dû être capable de voir ça dès qu'on a quitté le sol. Oui, et ces vols intérieurs de nuit sont aussi un cauchemar. J'ai déjà assez donné, mais au bout d'un moment, je commence à avoir besoin de la lumière du jour. Des conseils à me donner ? Rien de mieux que le café, mon ami. Rien de mieux que le café. Des projets pour New York ? Absolument. J'ai un rendez-vous galant. La plus belle femme que t'aies jamais vue. Ah ouais ? Oh oui. Et elle s'appelle comment ? Je sais pas encore. Les couvertures améliorent les choses ? Peut-être. Je comprends pas les gens qui ont peur de voler. Si t'as peur, pourquoi prendre l'avion ? Ça doit pas être le fait de voler, c'est plutôt le fait d'être coincé dans un tube de métal comprimé en forme de pénis qui peut tomber et exploser. C'est pas une image à laquelle je veux penser. Quoi ? Un pénis géant ou la chute et l'explosion ? Les deux. T'as déjà eu peur de l'avion ? J'ai peur de beaucoup de choses, mais voler n'en fait pas partie. Tu vois ? En étant ici, je pense qu'on fait un beau métier. Et regarde-nous, là-haut dans l'obscurité où personne peut nous voir. Des oiseaux qui restent toujours aussi majestueux. Ça fait combien de temps ? Environ 3 ans. S'il te plaît, je suis occupée là. T'as vraiment pas honte ? Je prendrai le prochain. Ouais, bien sûr. C'est vraiment... Excusez-moi. Oh, je suis désolé, vous n'êtes pas autorisé à couper. Monsieur, ne fermez plus la porte. Vous allez bien ? Tout va bien, tout le monde. Tout va bien. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe ? Oh oui, c'est juste les nerfs, ça arrive. L'orage a secoué tout le monde, c'est normal. J'ai l'habitude de prendre l'avion, et c'est le pire vol que j'ai vu. Oh, vous vivez à Los Angeles ? Non, mais mes parents, oui. On était là-bas pour les vacances. On rentre à New York, à Brooklyn. C'est une sorte de lune de miel tardive. Oh, eh bien, félicitations. Merci. Je peux vous poser une question ?
qu'est-ce qui se passe quand un passager est incontrôlable? Enfin, plus que ça. En général, ces situations se résolvent d'elles-mêmes. Mais on a des protocoles en place pour les situations extrêmes. Waouh, ça fait peur. Comme je l'ai dit, ces situations se résolvent généralement d'elles-mêmes. Il n'y a rien à craindre. C'est juste un orage. Juste un orage. Tu vois des choses. C'est juste la pluie et les turbulences. Je suis maréchal de l'air. Tout va bien. Retournez à vos sièges. Tout le monde à sa place, s'il vous plaît. Il s'est passé quoi? Je sais pas. Je pense qu'il fait une crise de panique. Je fais pas de crise de panique. Arrêtez. J'ai vu quelque chose. Non, non. J'ai vu quelque chose dans le miroir. Ok, je vais devoir retenir ce passager jusqu'à ce qu'on arrive à l'aéroport. Vous avez quelque chose pour le calmer? Oui, mais on ne sait pas si. Peu importe. Donnez-lui maintenant. Maintenant. Et est-ce que vous avez besoin d'aide? Non, tout va bien, d'accord? Je suis maréchal de l'air. Retournez à vos sièges. Tout le monde à sa place. Non, j'ai juste affaire à quelqu'un qui est un peu détaché de la réalité en ce moment. Mademoiselle! Il faudrait que vous fassiez plus vite. Il faut l'enfermer. Je vous entends, vous tous! Je suis pas un terroriste! En quoi je suis un terroriste? Je vous jure que j'invente rien! Vous devez me croire! Avale ça! Aval, ça va te calmer, d'accord? Aval. Ça ira mieux, d'accord? Tout va bien. Voilà, maintenant ça va. Maintenant on est calme. Maintenant on est calme. Vous allez l'attacher. Il faut le garder sous contrôle. Il reste encore pas mal de temps de vol. Je veux pas qu'il panique en se réveillant, ok? On va pouvoir le soulever maintenant. Allez, doucement, bien. Ok. Les personnes en première classe, vous allez tous vous lever et aller à l'arrière de l'avion, s'il vous plaît. Ok. Je suis désolée, vraiment désolée. Tout le monde sort. Viens. Yeah. Madame? Mesdames, vous aussi. Merci beaucoup. Ok, allez-y, merci. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolée. Voilà. Ok, c'est bien. Le passage perturbateur vient d'être maîtrisé. Ok. Il a pris des calmants. On se calme. Je vous remercie pour votre patience. Je pense que le vol devrait revenir à la normale. Ça va. Encore une fois, je suis vraiment désolée. Ok. Ça va mieux. Tout va bien. Tout va bien. Très bien. Chose, Bran. Quoi? Je voulais juste aider. Oui, je sais, mais tu devrais pas t'impliquer là-dedans. Ok, je suis désolé. Je suppose que je pense encore à mes parents. Je sais pas quel est leur problème. Tu as dit que ça allait. Je te crois, tu sais. J'ai toujours cru en toi. Vraiment? Oui. Ça ira mieux la prochaine fois. Ouais, j'espère. Couvre tout. On devrait s'en sortir dans environ 20 minutes, mais... Au moins, l'altimètre et la jauge de carburant fonctionnent. Foudre se moque de nous? Ouais, ça y ressemble, mais... Tout devrait pas s'activer en même temps. De pilotage. Commandant, ici Lia
cas, l'orage a fait paniquer un passager. Un maréchal est intervenu pour nous aider, mais on a dû l'endormir pour le maîtriser. Le maîtriser? Tout est sous contrôle derrière? Oui, je pense que oui. Ok, bien. Et faites que tout le monde soit bien installé. On doit juste se préoccuper de l'orage. Bien reçu. Venez, madame. Merci. Monsieur, que souhaitez-vous ? De l'eau, s'il vous plaît. Okay. Mademoiselle, je me demandais si vous aviez autre chose que je pourrais grignoter. J'ai pris des cacahuètes et... Et ce monsieur m'a donné les siennes, mais j'ai encore faim, s'il vous plaît. Oh, les repas seront servis dès que l'orage se sera calmé. Oh, ok, mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose, s'il vous plaît? Si je vous apporte une salade pré-emballée, ça vous irait? Super. Ok, très bien. Chut. Voilà. D'avoir partagé vos cacahuètes. C'est naturel. Tu crois qu'il a vu un fantôme? Non. Peut-être. Peut-être bien qu'il a cru en voir un. Mais franchement... Ouais. Il est peut-être simplement fou. Tu sais, je crois que j'ai vu un fantôme quand j'étais petite. Vraiment? Enfin, je crois... Tu sais, parfois on voit des choses qu'on comprend pas. C'est comme marcher dans un vieux couloir et voir passer quelqu'un du coin de l'œil, mais quand tu regardes, il est plus là. Ou c'est comme conduire et sentir que tu es suivi. Tu regardes derrière toi et il y a plus rien. C'est des fantômes ou juste d'autres gens? Ok, par exemple, je me souviens qu'une fois, j'étais dans mon lit, il faisait nuit. J'étais allongée sur le côté. Je regardais par ma fenêtre qui donnait sur des arbres qui étaient derrière chez moi. Et je clignais beaucoup des yeux. J'essayais de m'endormir. Et il y a eu ce type qui a surgi des bois. Un type? Il ressemblait à Frankenstein. Mais peut-être que j'ai dû me tromper. Il s'est mis à marcher vers la maison. À traverser l'arrière-cour. Droit vers ma fenêtre. Jusqu'à ce que je puisse voir le blanc de ses yeux. Et il est resté là, à me regarder. Sérieux? Et qu'est-ce que t'as fait? J'ai paniqué. J'ai couru voir mes parents, je les ai réveillés, je leur ai dit qu'il y avait un type à ma fenêtre. Et puis, mon père est allé dans ma chambre pour voir, mais il n'y avait personne. Ils sont même allés dans l'arrière-cour. Ils ont dit que j'avais rêvé. Mais tu l'avais rêvé? Tu crois? Je ne me souviens pas m'être endormi ou m'être réveillé. Tu sais, je pense pas que c'était un fantôme, bébé. Mais un mec bizarre. Je sais pas. T'en as déjà vu un? Non. Mais j'ai déjà vu un ange. Bien joué, mais c'est pas ça qui va t'éviter une discussion sur la réussite d'un mariage. Ok, très bien, ça valait le coup d'essayer. Ouais, ça valait le coup d'essayer. On se calme. Ouais. Si tu donnes une salade pendant un orage, on est bon pour ramasser des miettes de croûtons pendant des heures. Je sais, mais elle était trop adorable. C'est un sacré vol. Ouais, carrément. J'espère que c'est le pire qui puisse arriver. Eh bien, on a Charles Bronson là-bas, qui fait le guet, donc on devrait s'en sortir. Vous allez bien ?
Ok, venez par ici. J'ai besoin d'aide ici. Oh mon Dieu. Madame, vous allez bien? Apportez une serviette. Oui. Une serviette, vite. Okay. Bien, vous pouvez respirer. C'est bien, elle revient. C'est bien. Commencez à s'ennuyer. Ok, ok. Voilà. On va vous remettre dans votre siège. Voilà, levez-vous. Doucement, doucement. J'en ai dans les cheveux. Regarde les autres salades. Dépêche. De pilotage. Désolé de vous déranger à nouveau. Pan US 57, vous vous approchez rapidement d'une dépression. Ça va devenir difficile de continuer à vous tracer. C'est le Pan US 57, terminé. On vous perd, Pan US 57, terminé. Pan US 7, approchez rapidement. Dépression, ça va difficile. Vous tracez. Entendez ? Liam, qu'est-ce qui se passe ? Tous les placos repas sont... Ils sont tous pourris. Je crois bien. Pourris ? Ils sont pourris, à faire vomir. Plein de verre. Plein de verre partout. C'est dégoûtant. Les plateaux repas sont pourris. Génial. Dis à Liam d'appeler l'aéroport pour le leur dire. Le commandant a dit d'appeler l'aéroport. Dis-leur pour la nourriture. On peut pas faire plus. Et essayez de garder les passagers à l'aise autant que possible, et dans le pire des cas, on s'en occupe à l'atterrissage. Oh. Qu'est-ce qu'il a dit ? Va mettre tout le monde à l'aise. Le téléphone marche pas. On est à court de moyens pour les mettre à l'aise. Sérieusement, il manque plus que des zombies. Quoi ? Il nous faut quoi d'autre ? Des fantômes ? Les ténèbres ? Allez, on est prêts. Ça doit être un bug technique, on ne peut pas s'être fait frapper. C'est coincé! L'altimètre est au max. Très bien, il faut garder le nez en l'air. Garde les yeux sur l'horizon, Ryan. J'essaie, je sais pas où est le haut ou le bas. Alors garde les yeux ouverts, attends-toi à un coup de foudre. Une vérification des systèmes de défaillance moteur. Ryan, des nouveaux ? Non ! Allez ! On est en décrochage aérodynamique. Panne totale des moteurs. Il faut que l'APE s'enflamme ou on est dans la merde. Merde, l'auxiliaire marche pas. 30 degrés de plus ! Bien reçu ! Avec moi, il faut remonter le nez. C'est parti ! Allez ! On est trop loin, ça marchera pas. Fonctionne, bon sang, allume-toi. Allez, allume-toi, bon sang, allume-toi.
maintenant ou jamais, Jack. C'est le pas de non-retour. Accroche-toi. Tiens bon. Je te prie, marche. Je te prie, marche. Je te prie, marche. Je te prie. C'est parti. Allez, remonte. Chef de cabine, contacte le cockpit, s'il te plaît. Merci. Bon travail. J'avais encore jamais piqué droit comme ça. Moi, si. Mais pas comme ça. On dirait que tu vas voir plein de choses que t'as encore jamais vues. Je crois que j'ai failli avoir une crise cardiaque. Ok. Je te laisse commencer. Ouais. Monsieur, vous allez bien? Ok. Oui. Comment ça va par ici? Oui, je pense. Ça fait beaucoup. Et les passagers, il y a des blessés? Je sais pas, je suis pas encore allée voir. Bien reçu. Je dirais qu'on a encore 4h10 de vol avant New York. Essayez de faire en sorte que tout le monde reste calme et à l'aise. On va voir si on peut rendre ce vol agréable. Il vaut mieux éviter d'avoir un avion rempli de gens en colère. Ok. C'est bon pour moi. Merci beaucoup. Oui? Oh non, c'est pas bon. Allez voir ça aux toilettes, je suis pas qualifiée pour ça. Okay. Merci. Hey, est-ce que vous avez besoin d'aide? Oui, monsieur, merci. Vous allez bien? Mes excuses, ils font tout ce qu'ils peuvent. Mesdames et messieurs, toutes mes excuses pour ces turbulences. Comme vous l'avez peut-être compris, notre avion a subi une brève panne de courant qui a provoqué la chute d'altitude. Mais tout est rentré dans l'ordre. La bonne nouvelle, c'est que les avions sont faits pour gérer ce genre de situation. On a rencontré une météo difficile, mais notre priorité numéro un est de vous amener à New York, ou quelle que soit votre destination finale, avec nous ce soir, sains et saufs. J'espère pouvoir toucher le sol dans environ 4 heures. Alors asseyez-vous et essayez de vous détendre. L'équipage est là pour s'assurer que tout le monde va bien. Encore une fois, nos excuses pour la gêne occasionnée. Au nom de la compagnie aérienne et de l'équipage, on espère que vous apprécierez le reste du vol. Pourquoi est-ce que je suis... C'est juste un collier de serrage, d'accord? Un collier de serrage? Mais quoi? Chut, chut, chut. Vous avez eu une crise. J'ai dû vous maîtriser. C'est ce que je dis. C'est pour votre propre bien. Mais... Non, non, vous comprenez pas. Je me répète une dernière fois. Chut. Écoutez-moi bien. Vous avez le droit de garder le silence. Et si j'étais vous, c'est exactement ce que je ferais. D'accord. Détendez-vous. JFK, Pan US 57. Centre LAX, Pan US 57. On a perdu le contact avec JFK. Vous me recevez ?
J'arrive à joindre personne. Ils nous mettaient à jour sur le système de pression. Tout ça s'est produit après qu'on ait perdu le courant. Continue d'essayer, ils reviendront. Et la vérification des systèmes? J'ai parcouru le livre. L'avion peut voler, mais... après la panne, on a eu quelques problèmes. Selon le diagnostic, la pression de la cabine est bonne. Le carburant est bon. Le train d'atterrissage... Le train d'atterrissage est sorti. Les coms sont en panne et le pilote automatique aussi. Ouais. D'accord, bon. Cet avion n'est peut-être pas tout neuf, mais c'est l'un des plus grands jamais construits. Gardons nos mains sur le manche, tout devrait bien se passer. Et le FMS? Qu'est-ce qui se passe si, pour une raison quelconque, on perd la navigation? T'as jamais piloté un de ces engins, non? À travers un orage avec une panne de moteur? Pas vraiment. Reste calme, petit, d'accord? J'ai connu pire que ça. Garde la tête sur les épaules. Que dit Latis à propos du bulletin météo? Eh bien... toujours en plein milieu. Même si on voulait prendre une autre route pour contourner l'orage, selon les données, il n'y a pas d'autre solution et on est coincé au milieu. Je vois rien dehors. Écoute, équipement, pas d'équipement, radio, pas de radio, les orages ne durent qu'un temps. On aura bientôt fini. Ta tête, garde-la sur tes épaules. Je ferai de mon mieux. Madame, vous m'entendez? Madame! Vous pouvez me dire si tout va bien, s'il vous plaît? À l'aide! J'arrive pas à sortir! La porte ne s'ouvre pas! Quelqu'un, s'il vous plaît! Madame, je suis désolée, madame. La poignée est bloquée. Je peux pas ouvrir la porte de ce côté. Aidez-moi! Madame! Dites-moi si tout va bien, s'il vous plaît. Quelqu'un va venir vous aider, d'accord? S'il vous plaît, restez calme. Si vous m'entendez, restez calme. Ça va? Je pense qu'il y a une femme piégée à l'intérieur. Elle est coincée? Eh bien, oui, le mécanisme de verrouillage ne fonctionne pas bien et... Très bien, laissez-moi l'essayer. Madame? Madame, c'est le maréchal de l'air. Il faut que vous ouvriez cette porte maintenant. Vous aviez raison, la poignée semble être bloquée. On va avoir besoin de quelque chose pour ouvrir la porte. Oh, oui, on a... Ça fera l'affaire. Ok. Madame, à trois, il faut que vous poussiez la porte de tournée. Quoi ?
continuez, suivez-moi. Asseyez-vous ici. Voilà, comme ça, doucement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le miroir. Le miroir. Le quoi? Quoi, le miroir? Je l'ai vue, elle était enceinte. Je pouvais plus respirer. Tout ça n'a aucun sens. Je vais vous amener à votre siège, on va s'occuper de vous, d'accord? Vous pouvez vous lever? Oui, comme ça, c'est bien. Tout va bien. Tout va bien, d'accord? C'est fini. Merci. Vous allez vous asseoir ici, tous. C'est la dernière fois qu'on prend cette compagnie. Non, je suis sérieuse, Bran. Déjà ce gars qui pète un plomb et puis les verres dans la nourriture. Hey. Non, non, hey. Les lumières arrêtent pas de s'éteindre et des gens vomissent. D'accord. Les gens sont blessés et cette pauvre femme. Je sais. Je sais pas non plus. On est dans un gros orage, ok? Tous les orages passent. D'accord? Vous allez bien? J'ai cru qu'on allait mourir. Tu vas pas mourir. Le maréchal de l'air a dit que le fou furieux était un terroriste. Hé, madame, il a pas dit ça. Il a même dit le contraire. Qu'est-ce qu'on est censé faire quand il y a un fou dans un avion? Et si il blessait quelqu'un? Mais... On devrait peut-être pas le traiter de fou, vous pensez pas? Ouais. Et c'est quoi cette histoire de fantôme? C'est rien du tout, d'accord? C'est juste que... On est tous un peu à bout de nerfs. C'est un dysfonctionnement. Un dysfonctionnement non. De l'avion. C'est tout. Écoutez, ce dont je suis sûr, c'est que je veux rester loin de cet homme. Je veux juste qu'on atterrisse. Peut-être qu'on a été frappé par la foudre, hein? Ça pourrait expliquer les problèmes de courant. La foudre frappe tout le temps les avions. T'es quoi, mécanicien? Non, je suis prof. Je regarde juste les infos. Ok, tout le monde se calme, d'accord? On est en plein orage. Compris? On est dans un avion. Un avion, c'est une machine. Si vous utilisez vos téléphones, les signaux se brouillent automatiquement, ok? Donc si on vole au-dessus des nuages, entouré par des éclairs, c'est sûr qu'il peut arriver des merdes. Alors s'il vous plaît, arrêtez de porter des accusations sans savoir si elles sont vraies ou pas. Ça fait paniquer tout le monde. Il a raison. Tout le monde prend une grande inspiration. Rasseyez-vous et essayez de vous détendre. Tu es sûr que tout est normal? Non, je le suis pas. Mais c'est rien de surnaturel. On est dans un avion, et les avions aussi ont des problèmes. Quelque chose ne va pas, Bran. Je sais, écoute. Et si on se changeait les idées? Avec de la musique, peut-être? T'as pas encore écouté la compilation que mon frère t'a mise sur ton téléphone? J'ai raison. Je sais pas, c'est trop bizarre. Ok, bébé. On est en plein orage. Les orages passent, d'accord? Et si jamais un serpent tombe de mon porte-bagages, tu seras la première à le savoir, d'accord? D'accord. Parfait. T'as pas entendu ça? Entendu quoi? Quelqu'un qui essaie de m'appeler ou de me parler ou je sais pas. Quoi? Qu'est-ce que je dois entendre? J'entends rien. Brandon. Quoi? Rien. Stop.
augmenter le volume ou quoi? Non. Oh, bon sang, tu t'es assis sur le câble ou quoi? Bordel de... Mes oreilles. Danica, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Qu'est-ce que... Allez, s'il y a une procédure, tu ne peux pas faire irruption ici, comme ça. Dans 3 heures et quelques, on sera à destination. C'est bien ça qui m'inquiète. C'est ça qui nous inquiète tous. On est en train de perdre les passagers. Il faut que tu reprennes le contrôle maintenant. Je te demande pardon. Jusqu'à maintenant, on a eu un orage, de la nourriture avariée, des passagers ont fait des crises de panique, et là, on n'a plus de courant. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas normal. Elle n'a pas tort. Écoute, Alice, il va falloir que tu te calmes maintenant, d'accord? C'est un vol compliqué, mais t'es dans le métier depuis assez longtemps pour le savoir. Je sais pas ce qui se passe par là, ni quel est le problème, mais je ne peux pas m'en occuper moi-même. Je fais tout ce que je peux pour nous garder à bonne altitude. Oui, je sais, et je sais que tu fais ton mieux et que tu fais un excellent travail, c'est juste qu'on fait ce qu'on peut ici. Pas pour jouer les gros bras, mais si... Si on arrive tous au bout de ce vol sans perdre la tête, je paie ma tournée. Tu vois ça? Voir quoi? C'est quoi ça? Là-haut, dans les nuages. C'est des oiseaux? C'est pas possible, les oiseaux volent pas à cette altitude. Alors, qu'est-ce que... On dirait des gens. Qu'est-ce que tu racontes? Commandant, je vois rien. Tu vois pas ça? Juste là. Rien du tout. Je le jure devant Dieu. La relève une minute. Peut-être qu'une pause te ferait du bien. Tu veux peut-être un café ou autre chose? Une pause? Non, je n'ai pas besoin d'une pause, merde. De l'eau, s'il te plaît, Alice. Jack, il n'y a pas de honte à être épuisé. C'est un vol de nuit direct qui traverse le pays et regarde ce qu'on traverse. Je sais, j'ai juste... Juste peur. Oui, moi aussi. Peut-être un peu. Je sais pas, quelque chose ne va pas. Quelque chose n'est pas normal. Tes mains tremblent. Ah oui? J'ai même pas remarqué. Je dois juste avoir beaucoup de choses en tête. Thank you.
prenez soin de la laisser ouverte, d'accord? Danny? Je me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouverais ça bizarre si je pensais qu'il y a quelque chose de louche avec cet avion? Comme ton histoire de Frankenstein? Non. Je te suis pas. Danny? Danny, chérie? Hé, Danny! Ça va? T'as un cachet pour la tête? Ouais, peut-être dans mon bagage à main. Bien, regarde-moi, regarde-moi. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, viens, viens. C'est bien. Tout va bien, allez, viens chérie. Chut, c'est bon. Oh, tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Quoi? Éloignez quoi? Y'a rien du tout ici, y'a rien, bébé, regarde, y'a rien. Danny, regarde, 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 y'a rien, bébé. Hey! Et si vous arrêtiez de faire peur à tout le monde? On cherche à effrayer personne. Hé, baissez d'un ton, d'accord? Ça va pas l'aider à se calmer, ça va faire qu'empirer les c'est choses. C'est que des conneries. Monsieur... Je cherche juste à la calmer, c'est tout, ok? Ça va mieux? Vous avez vu quoi? Une femme, je crois. Elle était morte dans le porte-bagages, bloquée là-dedans. Quand je l'ai ouvert, elle m'a attrapée et... Et je sais qu'il y a rien là-dedans, mais... Mais ça avait l'air si réel. Je vous crois. Vraiment? Oui. Quelque chose se passe dans cet avion, on doit juste trouver quoi. Elle va bien? Oui, je pense que oui. Je vais bien. Je vous le jure, je sais juste pas ce qui se passe. Ok, j'en ai marre. Excusez-moi, mais je dois aller aux toilettes, d'accord? Il faut pas que vous alliez aux toilettes, monsieur. Oh, génial. Monsieur le fou est réveillé. S'il vous plaît, ne dites rien, d'accord? Il n'y a aucun terroriste à bord. Hé, hey, monsieur le maréchal, venez voir. Pourquoi est-ce qu'on l'attacherait pas à son siège pour de bon comme ça, monsieur, elle... Je vous laisserai pas l'attacher. Personne ne va attacher personne, c'est clair. Vous allez la calmer, et vous inquiétez pas. C'est juste que je comprends pas, d'accord? Je comprends pas ce qui se passe, ni ce qui se passe avec ma femme. Écoutez, personne ne sait ce qui se passe. Mais la seule chose que je sais, c'est que je fais confiance à celui qui porte un badge. Et un flingue. On voit tout ce qui se passe, des choses bizarres et incompréhensibles ici. Je sais pas ce que c'est, par contre je sais que cette femme Pardon doit se faire enfermer. Ça suffit. Arrêtez, ça suffit, écoutez-moi. On veut retourner auprès de nos familles, comme tout le monde ici. Retournez à votre siège et asseyez-vous, d'accord? Ça suffit, je dis retournez à votre siège, maintenant. Asseyez-vous, retournez à votre siège, maintenant. Écoutez-moi bien. Il va falloir que tout le monde garde son sang-froid. Restons calmes, d'accord?
Et non, je ne pense pas que ce soit un terroriste. Arrêtons d'utiliser ce mot, parce que ce mot met tout le monde sur les nerfs. D'accord, mais et si jamais... Wow, 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 on est en pleine dictature maintenant, on peut plus s'exprimer? Vraiment, vous êtes sérieux? C'est bon, je suis désolé. En temps normal, je suis pas un enfoiré. C'est juste que je veux atterrir. Hé, hey, hé, hey. Écoutez, ça fait peur quand il y a un dysfonctionnement, je le sais. Mais on a fait de tout ça notre métier. Alors laissez-nous faire notre travail et tout ira bien. Ok? Vous voyez, c'est ce que je vous disais, un dysfonctionnement. Alors de quoi s'agit-il? Une fuite ou une perte non, de passion? Non, j'ai pas dit ça. Combien de temps il reste pour arriver à New York? On va s'en sortir. Ça va prendre quelques heures de plus, d'accord? On est presque arrivé. Mademoiselle, vous pouvez vous assurer auprès du commandant que tous les problèmes mécaniques sont réglés, s'il vous plaît. Hey. Il se passe quoi d'après vous? On a des pannes de courant. Fréquentes. C'est un bon début. Je suis pas mécanicien, mais je suis sûr que le commandant fait tout ce qui est nécessaire de son côté. La seule chose qui compte, c'est qu'on vole encore. Bonne nouvelle pour nous. Fantastique, fantastique. On a enfin quelqu'un qui sait ce qu'il fait. C'est plutôt rassurant. Hé, monsieur. Si vous continuez avec vos commentaires, on va pas s'entendre tous les deux. Ce que vous allez faire, c'est rester bien assis et vous taire. Est-ce que c'est clair? Ouais. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Hé, hé. Ne t'excuse pas, d'accord? T'as rien fait de mal. Je comprends pas ce qui se passe. Tu as pris ton cachet? Ouais, mais je veux pas... Ne vous en faites pas, ma belle. Vous vous rendez bien compte que s'il y a un problème majeur alors qu'on est dans les airs en plein orage, c'est bien pire que des fantômes, parce que ça, ça peut nous tuer. Ça suffit, l'avion n'est pas hanté. Cette théorie est juste absurde. Monsieur, pourquoi ne pas atterrir pour vérifier au sol qu'il n'y a pas de problème? Est-ce que le commandant a dit quelque chose sur quand et où on va atterrir? D'après ce que je sais, il va être difficile d'atterrir à cause de cet orage. À ce stade, il vaut mieux éviter d'atterrir dans ces conditions. On est plus en sécurité ici. Excusez-moi. Et pour l'orage? Vous savez quand on l'aura dépassé? Non, j'en sais rien. L'orage couvre une longue distance. C'est comme s'il nous suivait. Excusez-moi! Qu'est-ce que tu veux? Ça vient pas du courant! C'est quoi ça? Alice, qu'est-ce qui se passe? Il y a des fantômes. L'avion est hanté. Tu recommences avec ça? Ryan! Alice, on est tous fatigués. Non, 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 il faut que tu me crois. Vous n'avez pas idée de ce qu'on vient de voir. Cette dame dans l'allée, vous êtes les seuls à pas l'avoir vue. Tu veux pas t'asseoir juste pendant une minute? Tu m'inquiètes, Alice. On va atterrir dans 95 minutes. Non, écoute! Non, vous comprenez pas. Plus on reste dans cet avion, plus on risque la vie de tous les passagers. Ah oui? Et j'atterris où, Alice, hein? Nos coms sont HS. L'orage sur nous depuis le décollage. On est seuls et on n'a nulle part où aller. L'avion est hanté, mais tu entends ce que tu dis. On ne va pas atterrir parce que tu es superstitieuse. Enfin, pourquoi des fantômes voudraient hanter cet avion? Pour se venger. Excuse-moi. Qu'est-ce que t'as dit? Pour se venger. Ryan, rattache ta ceinture. Ryan! Ryan! Vengeance! Ryan! Arrête! Ryan! Stop! Yeah.
automatique? Non. Ça marche plus depuis la panne de courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu. Désolée, Ryan. Ok. Je comprends pas ce qu'on vient de voir, mais il y a quelque chose qui cloche, on est tous d'accord là-dessus? Vous avez bien dit qu'il y a un problème physique avec l'avion, non? Non, en tout cas, rien qui provoque des hallucinations ou des visions. Mais qu'est-ce qui pourrait provoquer les visions qu'on a eues? Bon, reprenons depuis le début. L'orage a commencé un peu après le décollage et... Les enregistrements et la mise en soute se sont bien passés. Et Monsieur Peck au siège 25A... Oui, pauvre homme. Oui, et Monsieur Peck a affirmé qu'il a vu quelque chose d'inhabituel sur l'aile de l'avion. Et après, il est allé aux toilettes pour se rafraîchir, et c'est là qu'il a paniqué de nouveau. Je suis sûre que ce que j'ai vu aux toilettes était bien réel. Cette femme dans les toilettes, elle était dans le miroir et elle tendait les mains vers moi, et je suis tombée contre le sol. J'arrivais pas à déverrouiller la porte. Oui, moi non plus, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. C'était comme si la porte était retenue de l'intérieur. On l'a bien examinée, mais il n'y avait rien de physiquement anormal. Et ensuite, on a eu une panne de courant et on est tombé. Et aussi, la nourriture s'est mise à pourrir d'une manière étrange. J'ai entendu une femme crier à travers mes écouteurs. Crier? Crier quoi? Au début, c'était des chuchotements et ça s'est intensifié. On aurait dit qu'elle disait... Meurtrier. C'est à ce moment-là que mon téléphone a arrêté de fonctionner. Le mien aussi. Je pensais être le seul. J'ai vu quelque chose de très bizarre sur mon écran. Et qu'est-ce que c'était? Une échographie. Une quoi? Vous savez, c'est une sorte de photo de bébé qu'on prend quand une femme est enceinte. Cette femme dans l'allée. Et puis Ryan, qui devient fou et qui attaque Jack. Puis le cadavre dans le porte-bagages. Et là, quelqu'un a écrit meurtre à l'extérieur de votre hublot. Ok, donc, qu'est-ce qu'on cherche? Et par où on commence? Ça doit venir de quelque part dans l'avion. Tout a commencé à l'avant de l'avion. Mais j'ai déjà inspecté les toilettes, alors... Et on était à côté pendant presque tout le vol. C'est pas ça qui explique les téléphones et les porte-bagages. Ou ce qui s'est passé dans le cockpit. On est tous foutus. Non, non, on n'est pas foutus, d'accord? Écoutez, on doit juste trouver quelle est la source de tous ces phénomènes. Ryan? Je suis là. Je suis où? Je peux pas bouger mes mains. C'est le but, mon grand. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as attaqué Jack. Quoi? Vous êtes devenu fou et vous lui avez sauté à la gorge. Mais pourquoi j'aurais fait ça? Ok, bon, écoutez. Ça a été une nuit de folie. Pour nous tous. Mais il doit y avoir une explication totalement logique à tout ça. Il doit rester peu d'endroits où chercher. S'il n'y a rien dans la cabine, à l'avant ou à l'arrière, il nous reste quoi? Ok, bien. On a conclu que tout a commencé sur l'aile. Et maintenant, on a ce mot écrit sur son hublot. Oui, mais on ne peut pas aller voir ce qui se passe à l'extérieur, on est en plein vol. Et pour cette apparition, il y a quelque chose à bord qui sort de l'ordinaire? Pas à ma connaissance. Pas de colis spécial en provenance d'un musée? Pas de soldats morts transférés depuis l'Afghanistan? Brandon... Pourquoi demander ça? Des objets peuvent être des réceptacles à des esprits, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui voyage avec ces objets. Ok, et si on trouve rien sur cette apparition, qu'est-ce qu'on fait? Vous disiez quoi? Quand? Quand vous avez dit que vous étiez tombé contre le sol, où vous vous trouviez? Je sais pas trop, mais peut-être la soute, pourquoi? Parce que j'ai vu la même chose. Quand je suis retombée dans mon siège, je me suis retrouvée dans la soute. Bébé? Il y avait... quelqu'un là-dedans et je ne... Et je suis pas sûre, mais... Je crois qu'elles avaient besoin d'aide.
Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Eh bien, je crois que... quelque chose s'est passé. Quelque chose de grave. On doit aller voir la soute. Bébé... Si on a eu des visions de la même chose et au même endroit, c'est que cette chose nous dit d'aller là-bas. Les bagages... Vas-y, parle. Les bagages... Je sais pas ce qui se passe, mais en discuter ne va pas aider à résoudre le problème. Comme elle vient de le dire, il faut qu'on aille là-bas pour en avoir le cœur net. Si je découvre que t'as quelque chose à voir avec ça, tu vas avoir affaire à moi, tu m'as bien compris. Comment? Et comment ça? Vous m'avez attaché et jeté sur un siège. Détachez-le. Oui. Détachez-le. N'importe qui ici aurait flippé dans ces toilettes. Mademoiselle, vous avez des ciseaux, s'il vous plaît? Oui, merci. Ne me le fais pas regretter. Vous le regretterez pas. Ok. Voilà ce qui va se passer maintenant. Vous allez tous retourner à vos sièges pendant que je descends dans la soute pour inspecter moi-même. Non, désolé, je suis désolé, mais personne ne peut descendre dans la soute. Vous voulez que ça s'arrête parce qu'il faut parer à toutes les éventualités. Je viens avec vous. Venez. Non, vous. Vous ne venez pas avec moi. Non. C'est à moi qu'elle parlait. Je l'ai vue. Je vais pas rester assise ici en attendant que quelqu'un d'autre règle le problème. J'y vais aussi. Non, vous ne venez pas. Bon, j'y vais aussi. J'ai pas fait tout ce voyage pour retrouver ma femme et ma gamine, pour finir mes jours ici. Si c'est en allant là-bas qu'on peut découvrir la vérité et nous faire rentrer chez nous, alors je viens aussi, je couvrirai vos arrières. Je vous remercie, mais c'est à moi de faire mon travail. Je vais à la soute tout seul. Danny, tu restes ici. C'est moi qui vais avec le maréchal. Personne ne vient avec... S'il vous plaît, arrêtez et suivez-moi. Devoir vous dépêcher. On voit rien du tout en bas. Cette lumière ne sera pas assez puissante. Bougez pas. Celle-ci le sera. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un bébé. Qu'est-ce que c'est? Elle! Elle! Qui? Le porte-bagages! Celle du porte-bagages! Il y a du sang. Des trophées. Typique d'un tueur en série. Bordel de merde! Quoi? Ah! Ça lui appartiendrait? Elles sont toutes là? Où est la femme qui a couru vers nous et disparu? Oh bon sang, c'est elle! Là! Ce sac appartient à quelqu'un à bord de l'avion? Un tueur? À qui appartient le sac? C'est facile à découvrir. Trouver. Impossible.
vais devoir vous parler de ce qui s'est passé ce soir. Sans vous manquer de respect, Maréchal, on peut pas faire ça plus tard. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis seul à piloter cet avion et on n'a pas vraiment passé une bonne soirée. Vous êtes sûr de vouloir faire ça ici? Faire quoi? Parler des femmes que vous avez tuées. Tuées? Tuées? Vous êtes sérieux? Arrêtez vos conneries! Vous pouvez pas me parler comme ça. Écoutez, Maréchal, quoi que vous pensez qu'il se passe, on ne peut pas être autant dans le cockpit. Vous connaissez bien le protocole. J'ai peur de ne pas pouvoir suivre le protocole pour le moment, commandant. Et eux non plus. Qu'est-ce qu'il y a? On arrive presque au sol. Ça peut forcément attendre qu'on ait atterri. Non, je ne pense pas. Je veux qu'on en parle maintenant. Où les avez-vous trouvés? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais... Qu'est-ce que c'est? Bon sang, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je ne sais pas qui est cette femme. Ne me mentez pas, qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'avez-vous fait à son bébé? C'est drôle de voir que les femmes sur ces photos sont celles qui causent tous les problèmes dans cet avion ce soir. Que toutes ces photos se soient retrouvées dans votre sac. Jack. Commandant. Jeune. Ce ne sont pas les miennes. Oh, allez. Dites la vérité. Commandant. Détachez-moi! Quoi? Ne faites pas ça! Il faut quelqu'un pour piloter l'avion, s'il vous plaît, détachez-moi! Faites-moi confiance! Sans pilote, on va mourir! Dépêchez-vous! Vengeance! Dépêchez-vous! Laissez tomber. Qu'est-ce que vous avez fait? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Emmenons-la sur le siège. Ok. Oui, pouvez... je la tiens. Je te tiens. Allez, chérie. Dites-moi ce que vous avez fait. Je n'ai rien fait. Dites-moi maintenant ce que vous avez fait ou je vous descends sur ce siège. Écoutez, rien de ce que j'ai fait n'a d'importance, ok? Austin! D'accord? Rien de tout ça n'a d'importance. Vous allez faire tuer tout le monde. Réveille-toi, chérie. Allez, Danny. Allez.
Non, pas tout le monde. Juste vous. Je ne voulais pas, la première fois. C'était un accident. J'ai juste... Elle aimait que ce soit brutal, tu sais, moi aussi. Alors, je pensais que c'était bon, elle a... On faisait juste un jeu de rôle. Et je crois que je suis un peu trop impliqué. Et... J'ai eu peur, la première fois. Je me suis senti coupable. Mais au fond de moi, j'ai aimé, j'ai adoré. Regardez la lueur dans son regard. Et la voir s'éteindre, c'était devenu une envie, un besoin. Puis c'est devenu moi. J'ai réalisé que je pouvais simplement m'en aller et personne ne m'a dit. Je ne savais pas comment m'arrêter, j'ai juste... 1%. Je suis tellement désolé, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé, j'ai juste... Je sais pas comment l'arrêter. Pardonnez-moi. Je vous en prie. Je ferai n'importe quoi. Attachez-vous, s'il vous plaît! Thank you.
Est-ce que tout va bien? Vous allez bien? Vous allez bien? Ok. Tout va bien ici. Oh, bon sang. Thank you.